parole à palais.com. Signal 90 degrés. Signal 90. Jeudi 18 janvier 2018. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour Haïti. Bonjour, bonsoir le monde. Il fait 9h10. C'est émission pour la contre la CAO Signal 90 degrés. Comme on connaît chaque matin, nous prenons plaisir pour nous servir. Chaque matin, nous prenons plaisir pour nous accompagner journée, pour nous permettre de comprendre la réalité, pour nous permettre de comprendre l'actualité pays. Nous parlons de l'économie, nous parlons de politique, nous parlons de santé, nous parlons de l'environnement. Donc c'est un panel qui justement qui fait choix de un programme qui est capable de vivre sous un programme qui est capable après émission capable fort comprendre qui côté doit aller et qui côté y est. Donc nous-mêmes responsabilité ça nous gagner nous obliger tout quelque part faire un effort hein, faire un effort non seulement pour nous retenir l'actualité mais tout pour nous aller chercher qu'on est parce que l'on a une responsabilité pour porter une émission pour faire des réflexions. C'est pas sur penser personnellement, c'est vrai que il y a une subjectivité des fois dans des analyses, mais nous essayons d'être équilibré, nous essayons d'être objectif puisque nous connaissons son population, son public que n'a servi qui vraiment très attentionné à ça n'a dit à débat qu'il a fait. Donc nous ba tête nos responsabilités pour nous faire virer ça, hein, virer ça sans nous pas gagner mirage devant nous. Parce que nous connaissons le virage à l'île difficile, il n'est pas facile, il doit faire intervention chirurgicale, hein, il doit faire opération. Donc, il n'est pas facile, si ça fait un peu de fois, obligé de prendre anesthésie, hein, il y a des douleurs. Il y a des douleurs ou pas capable de supporter. Donc, il est obligé pour anesthésie. Nous considérons que nous avons une responsabilité. Ça, et bien, chaque matin, nous, là, un panel qui a un pile diversité là-dedans, un panel côté, nous tous pas souvent penser même bagaille, nous tous pas souvent les mêmes positions. D'ailleurs, chaque matin, nous venons dans le studio, nous pas les mêmes couleurs maillot, couleurs chemise, nous pas sur le même côté, chaque monde sur la caillou. Mais, Studio Radio Signal FM sont un lieu qui fait nous rencontrer malgré différence nous mais avec un peu de tolérance, respect une pour l'autre, nous exprimer ça que nous pensons, nous exprimer nous librement puisque et Mario Vio, hein, PDG Mario Vio, il n'y a pas que j'aime dire personne monde, que ce soit monde qui était là, monde qui allait, monde qui vient, monde qui la connaît. Donc Mario Vio pas j'aime dire monde mais ça pour dynamico, hein, mais Mario remet dit écoutez, loi font analyse, toujours faire ça bien pour faire mais sans être amer. Puisque il y a des gens qui a fait des bagarres dans le pays, qui ont mis comme au civil, justement pour faire brigandage. Nous-mêmes, nous parlons brigandage, nous là pour nous faire un débat, pour nous porter une émission en haut degré, ça ne pas dégrader, mais nous mettons en face responsabilité. Maintenant, nous saluons César Saint-Fleur, qui déjà sur table console là, Elisabeth Jolicoeur, qui déjà arrivé, Jimmy Ménard, Nixon Artiste, Marcel Joseph, Martinez, hier nous parlons aux amis qui côtoyaient. Hein, Martinez Napton nous matin. Hein? Nous saluons tout docteur Francillon, hein? Pradel Henriques qui dit nous fait un signe, qui branche tout le monde qui est dans la police nationale d'Haïti, spécialement en direction générale de la police, là, et Michel-Ange, jeune policier, ça, qui est un véritable fan de l'émission Signal 90 degrés. Nous saluons tout le monde qui est aux États-Unis, monde qui est Boston, monde qui est New York, monde qui est Massachusetts, monde qui est Spring Valley, monde qui est en Floride, monde. Dans Long Island, moun ki Canada, Montréal, Québec, moun ki Brésil, Argentine, Chili, en Bahamas, République Dominicaine, nous saluons moun ki Guadeloupe, Mitley, Lucien, nous saluons Julio, donc vraiment en pile zami kap koute nous à l'extérieur. Et nous saluons tout moun ki dans 570 sections communales, dans 146 communes et 10 départements géographiques paysans. Nous saluons toute radio, hein, toute propriété radio qui relie l'émission, ça qui permet que nous avons une large diffusion, qui permet que en pile l'autre moun koute l'émission. Nous saluons toute radio ça, tout auditeur l'autre radio ça, et nous demandé pour mettre radio ça vous voyez pour nous fréquence radio à zone yo et puis et non radio yo voyez pour nous sur 37 63 45 86 pour nous capable nommer yo pour nous capable saluer puisque nous apprécier le fait que yo relé émission ça que ce soit en Haïti que ce soit en diaspora son plaisir pour nous tout chauffeur taxi moto tout élève l'école hein matin moi pendant m'a monter là mon petit Jean étonné
Nous saluons tout le monde qui est dans l'administration publique, là, qui est dans l'administration privée, qui est dans la primature, qui est dans le palais national. Nous saluons tous les confrères tout, qui disent nous toujours attendre nous, puisque il y a des confrères qui disent nous les offres de signal 90 degrés, que nous même fait émission dans l'après-midi ou bien dans la soirée. Donc merci pour écouter nous. Matin, pendant ma montée, et moi remarqué les 8 heures, quelques minutes. C'est les samedi que dit Simon qui a sorti dans corridor la caillou pour aller à l'école et moi regardez moi en pile là dans aussi Simon qui l'école lycée m'a demandé à qui l'heure l'école ouvre qu'on y a dans pays à qui l'heure l'école ouvre à qui faire rentrer l'école là donc nous sérieux c'est ou bien à faire l'école ou bien pas faire l'école donc longtemps 7h30 supposé prendre un Simon lycée sous la cour l'école là et l'arrivé l'école ou pas y être arrivé à 8h soit il faut tourner la caillou soit ou faut faire ligne soit ou pour punition contre donc je dis en lit inconcevable pour les 8h et ca il est ça ou est ligne si moun pas l'école ça veut dire si moun yo pas lever à l'heure pour l'école et parents yo gère pas mettre discipline moi même penser nous gon l'autre attitude on l'autre comportement puisque si n'a fait l'école on nous fait l'école nous connaît système éducatif haïtien son système qui désuet qui démodé faut que nous ta changer d'ailleurs faut nous dire que éducation l'est pour qui citoyen donc etc. mais si ça nous gain là en attendant donc faut nous faire les bien en pile problème réalité difficile annulation de visa du travailleur pour travailleur haïtien qui qu'on aller travailler aux États-Unis pour raison parce que yo pas respecté période de temps l'autre bagage c'est que yo pas qualifié assez donc en pile problème dans la République matin nous là encore nous va regarder sans force côté avec tact avec brio avec intelligence nous pas gain prétention que nous gagner la science infuse nous pas gain prétention que intervention qu'a fait là dans espace signal 90 degrés c'est des interventions doctorales mais ça qui est fondamental nous fait des interventions avec en pile morale avec un pile cœur dans souci pour nous servir dans souci pour nous accomplir responsabilité nous au niveau presta qui c'est former éduquer transformer et même n'a pas mis au n'abord yon amusement yon divertissement sain parce que nous avons cette responsabilité pour nous transformer société ça nous pas aller plus loin faut nous suspendre vivre hein, de manière constante dans dignité parce que il est clair que nous sommes devenus nous les haïtiens et la risée du monde petit à Tristan. Et si nous continuons à descendre aux enfers, à descendre en nivellement par le bas, ça, donc, et nous foutu, et nous perdu, donc, lui demander une véritable prise de conscience collective pour nous capables de remonter la pente. C'est pas seulement fâché par rapport à la déclaration, il y a fait un peu partout à travers le monde soit ici, mais c'est indigner nous, inservir avec colère ça pour nous transformer en force de travail pour nous construire pays. Nous. Bonjour Jimmy. Bonjour Martinez, Jimmy Mina, hein, l'homme qui a toujours la préséance, mais Martinez qui conseille de comment nous est Jimmy? Très bien, Gouchen. Bonjour Elisabeth, bonjour Martinez, que nous voyons avec plaisir. Hein, hier, M. Bata avec nous. Au thème qui nous en pile, bonjour Marcel Joseph qui a venu quand même avec Editorial Lee. Bonjour tout le monde qui est un peu partout, c'est à Saint-Fleur, qui est un peu partout à Port-au-Prince, dans les villes de province, à l'étranger qui fidèle. Et quand même, nous accueillons avec de la joie hein, et du plaisir, nous avons bon pied, bon oeil. Si nous avons un petit coup d'œil, on coup d'œil, hein, nous comprenons que nous avons une mauvaise nouvelle pour Haïti, hein, qui est exclu de liste pays qui est autorisé à participer à un programme de travailleurs agricoles saisonnières aux États-Unis d'Amérique, selon un journal américain, Miami Herald, hein? Et compatriotes, nous n'avons pas éligibles aux visas spéciaux H2A et H2B. On décision que département sécurité interne et département d'État américain et Yopran, qui évoquaient notamment non-respect des termes de programme pour travailleurs haïtiens. Ça, son coup dur, c'est vrai que nous sommes un peu indisciplinés, mais il y a des gens qui allaient pour 6 mois à visa, pour 6 mois, ils ont fait 8 mois, ils ne font pas aller, ils ne font pas aller. Mais, venir dans le contexte, là, après déclaration et Donald Trump, quand même, sans coïncidence. Et nous-mêmes, nous intéressons quand même avec ça qui a passé à travers le monde. Et tout ça qui a passé concerne nous-mêmes tout, parce qu'il faut comprendre que la population a besoin d'informer, gagner des informations, il n'y a pas qu'à, mais vraiment, il n'y a pas qu'à pas gagner.
Et donc on est que justement nous allons arriver de Marcel Joseph, et notre éditorialiste qui finit probablement avec un éditorial qui a un rapport avec et conjoncture là avec réalité que pays ça lui-même l'y gagne. Alors, on dit bonjour à Martinez qui très serein, qui certainement fait pile, qui ressource les, qui fait pile les, qui a pile l'énergie matière. Bonjour Martinez. Bonjour Jimmy, bonjour Elisabeth, bonjour Marcel, bonjour Gouchen. Et m'a dit bonjour tout à metteur en nom de nous, qu'on nomme très bien. Serge Saint-Fleur. Serge Saint-Fleur. M'a dit bonjour à tout auditeur qui a écouté nous tout partout. Mais parce que je connais que signal 90 degrés, signal la même, il écoute tout partout, dans Port-au-Prince, ville-province. Et surtout dans la diaspora, c'est radio number one. C'est nous autant de plus, c'est radio signal autant de plus. Dans Miami, dans Canada, New York, tout côté, donc en France, donc vous attendez. Donc c'est un plaisir pour me laver nous matin là pour nous brasser l'idée sous plusieurs sujets qui font actualité, sujets qui ont rapport avec le social. Je fais une fausse ouverture généralement et je présente sympathie à une membre de la famille qui a perdu Marie-Lie. C'est Lovely Clacidor qui a perdu Marie-Lie. Bon, c'est malheureux dans le début d'année. Et puis parallèlement, moi, mon cousin qui font accident dans Thomasin, Fermat, il était sur une moto avec 11 amis. Et puis mon Polaris qui perd du frein. Qui est entré sous l'île, donc il perd du jambelé, il perd du. Il a une grosse fracture dans la tête, donc il fait opération hier soir, ni dans le pied, ni dans la tête, donc c'est une négligence que pour l'arrêt, ça n'a pas de frein. Donc c'est pour tout danger qui gagne aujourd'hui, pour question de sécurité publique aujourd'hui, question motocyclette là, donc. son bail que moi, je vais aller chaque jour ici, là. Et grand pile improvisation que fait dans niveau ça, il y a des citoyens pas gagné qui a fait. Je viens dans monde faire au cadeau $900 américains ou son $800 américains et puis il y a son moto bay nèg là et puis nèg a prend la ria. Il prend la ria par contre ken loi de la circulation, ken base de la circulation. Mon cher nèg là dans la ria souwèw, mon frère nèg a pas connait circulation à droite, il pas connait ken panneau. Mon cher son bay qui je pense que son bail l'état de penser à lui-même parce que monsieur même base même sac basique là qui a un rapport avec la circulation ou pas gain. Et puis encore une fois ma place on SOS by EDH qui était moun qui dans zone rue Petrus zone bas peu de choses entre rue à la lettre actuellement là au de la rue à la lettre, c'est-à-dire à partir de Mango Amboise, à partir de pompe totale là moun yo barré, moun yo bloqué la rue parce que EDH pas venir réparer. Ce matin pas venir réparer câble électrique qui tombé m'a dit que c'est à partir de un camion brana qui passait qui rache filio et filio est à terre. On a plein le fait que pas un courant dans zone là forme de que zone ça son zone fait souvent c'est là bon base dans zone là. Donc yo prier mon corps matin là et DDH et faire 11 semaines. Alors si 11 semaines on tire au comme ça on tire pas comme ça pas réparer. Donc est-ce que nous a droit de risque espérer que là moi soit année qui vient nous qu'à arriver courant 24 sur 24 ça sont notre débat. Ah oui monsieur. Ça sont notre débat. Là sont notre débat. Là il va de la sécurité publique. Sont notre débat et là niveau ça nous voulait dans virage 90 degrés. C'est vrai qu'on a développé une masse critique mais c'est pas attaquer n'a pas attaqué gouvernement. C'est pas contre nous contre gouvernement mais nous voulait aider gouvernement. Ouais. Dans quel sens, c'est-à-dire que vous pas qu'à dire ou bail courant 24 sur 24, alors que pour qu'on gagne étude, il faut gagner étude qui vous fait. C'est-à-dire que qui modèle le système. Est-ce que le réseau ça là, les câbles, bail courant 24 sur 24, réseau ça là, nous y a là, justement. Donc, et la République dominicaine, actuellement, là, nous connaît, elle a investi presque $80 millions US qui a investi pour construction du parc éolien dans la République dominicaine. Donc, nous voulons soutenir avec la semaine là. Donc, dans plus, il faut qu'il y ait 5 fêtes, ma question d'énergie. Donc, ça, je pense que c'est l'autre débat. On l'a toujours venu sur la question d'énergie. Mais je dis à ça, il faut comprendre si on quartier et que après 11 semaines, mon avril, il dit que meilleur ou moins 3 poteaux tombent. C'est le CDH?
Non, bien sûr, il y a un système qui fonctionnel, qui contrôle tout réseau dans un bas peu de choses. Alors, ça me le fait. Il y en a arrivé dans un bas peu de choses, même qu'il arrive de l'autre côté. Mais je dis à qui structure nous, nous avons institution, nous avons fait un bail courant 24 sur 24. Je dis à l'égon, on partit dans le réseau, à un monde qui a un problème, soit un quartier qui a un problème, qui capacité de DH, qui capacité de structure pour répondre et finalement réparer un dégât. Son problème qui vient sur le réseau. Matin, c'est, tu sais, même si vous prenez le nom dans une nouvelle maison, une nouvelle demeure, vous prenez le métier compteur, vous prenez la République dominicaine pour aller prendre un bloc compteur, pour tout le monde, la République dominicaine pour aller. Et là, vous faites 10 à 80 millions de dollars que le Canada baille et la République dominicaine pour mettre un parc éolien. C'est-à-dire, petit problème courant, vous ne pouvez pas être dépendant de gaz. Oui, tout à fait. Tu t'imagines, il y a plusieurs sources qu'on peut faire courant, on peut faire solaire, panneaux solaires, on peut faire éolien, système éolien, et puis avec gasoline. Mais tout à fait. Donc, et en tout cas, nous allons regarder de tout ça et matin. Salut Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Bernard, bonjour Ménard, bonjour Martinez, bonjour Marcel. Nous avons Nixon là, on va connaître qui arrive déjà, donc je pense qu'il a bien chance. Pour saluer nous tout à l'heure, donc je dis encore, c'est toujours bon, nous connaissons manqué dedans, pas fait ça, le hein, public n'a pas besoin contre tout le monde. Ok, là nous voyons live, il y a pour vous. Donc c'est toujours un plaisir pour nous ensemble avec nous, je dis, c'est jeudi. Jeudi, nous connaissons ici la Nakaïlan, c'est santé nous parler pendant que nous connaissons journée, je vous dis, bah, deux problèmes de santé qui pas gagné, social, mental et puis politique, non, vraiment malade, presque tout système nous est malade, donc c'est important, sauf que je dis à non plus à moyen santé qui a un rapport avec santé physique, mais que tout ça, il faut que nous touchions, et fort souvent, tout santé physique nous est c'est pas lié ensemble avec l'autre et l'autre santé, ça n'a pas touché, donc c'est très important, je dis, pour nous faire un petit coup de jet, ou des séries de monde qui vraiment à plein de situations économiques qui pas qu'à manger, qui vraiment pas qu'à vivre. Donc moi-même hier, moi j'ai eu une chance de participer dans un débat qui est sur un forum. Donc d'avoir obligé font un petit coup qui t'est lié parce que ça c'est vraiment touchant parce que j'ai essayé de voice mon a voyé que abdi situation yo donc yo utiliser forum non pour partager ensemble avec nous que ça y a vive donc c'est pas d'essayer de bagaille qui facile parfois nous simplement lancer nous dit mais ça nous suspecte mais vive mon nom qui a témoigné vive parole yo donc c'est autre chose d'essayer de jeunes qui ont difficulté pour continuer l'école yo parce que parents yo pas capable et nous connaît pas vraiment gain place dans lycée yo pour recevoir yo. Mais tout ça c'est des sérieux de problèmes qui grave que qui a bay en pile tracas dans la rue donc c'est des sérieux de bagarre nous gagner pour nous penser pour nous manger parce que fort souvent que c'est pas politique là seulement qui malade là donc c'est tout nous-mêmes qui malade et tout temps que nous pas guéri nous à la base que politique là toujours malade donc on va se nous parler de parler tout ça donc Marcel bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Gochen. Bonjour Martinez, bonjour Ménard, Jules et Jimmy Ménard. Et puis bonjour Nixon, nous qui je dis à gagner la prend pour le message parce que nous elle était de l'autre côté de la barrière comme on pourrait dire, de la vitre. Alors bonjour chers amis auditeurs et auditrices, me connais que ça fait très longtemps bagne chance pour me présent en début émission pour me saluer nous. À profiter de nous remercier nous en pile pour écouter nous et nous apprécier ça. C'est la raison pour laquelle nous avons fait effort chaque jour pour que nous satisfaire. Nous remercier tout le monde dans la diaspora qui a écouté nous, comme tout à l'heure Martinez tout mentionné. Nous connaissons nous très écoutés. Nous avons un respect vraiment scrupuleux pour nous-mêmes qui a écouté nous. Et nous fait effort pour nous montrer que nous avons un respect ça pour vous. Et n'a pas salué moun qui n'a zone professionnelle dans le pays d'Haïti. Nous avons près de 15 stations de radio qui relayaient Signal FM. Nous avons pile moun qui a écouté nous. Nous avons énormément de respect pour vous. C'est pour ça que nous travaillons sérieusement le contenu que nous avons présenté. Parce que l'objectif, nous, c'est vraiment proposer virage ça, que nous pensons qui est inévitable. Nous encore dans le parfum des propos de Donald Trump. Donc, il y a un gros débat dans la société. Il y a un gros débat qui dit que Donald Trump a raison.
que Haïti, effectivement, c'est un pays de merde. Bon, c'est le monde qui dit ça. Mais il y a d'autres mondes, et parmi ces personnes, moi en particulier, qui n'acceptent pas ce propos-là. J'y mets raison. Et Mbappé m'accepte-t-elle. Donc, nous-mêmes, comme peuple, nous avons le devoir de nous battre de travail. Et on m'a dit, nous, tout le monde qui a une chance pour te garder de Gangs of New York avec DiCaprio, Ronaldo DiCaprio, ça a une idée de comment l'Amérique était. C'était exactement dans la même situation, même pire que nous. Donc ça, c'était vraiment un regard de l'état de l'Amérique d'avant. Et tout le monde qui a une chance pour connaître très bien Émile Zola, l'on a lu des livres de Émile Zola, on a pu voir comment la France était. Donc ça veut dire les pays d'Europe, comment ils ont été à une époque donnée. Donc ce que nous connaissons aujourd'hui dans le pays d'Haïti, toute gargote avec des types de dirigeants que nous gagnons, une population que nous gagnons, nous-mêmes tout, élite qui échouait, eh bien, il y a une société qui est dans la même situation avec nous. Et ça a été fait, ça a été une prise de conscience. Ils ont gardé tête qu'ils ont mis au miroir, ils ont dit, donc dans ce cas, il faut que je me chitam. Donc c'est le temps de le faire, et nous-mêmes, à signal 90 degrés, nous n'avons pas qu'une médiocrité que n'a pas encouragé mon là-dedans ni enfoncé mon là-dedans. Notre objectif, c'est de proposer le virage et de faire ensemble avec vous parce que nous en sommes conscients. Voilà, donc très bien, on vira sans mirage. Nous saluons plus le monde qui a écouté Marie-Danielle Julien, Mélissa et puis Béatrice. N'a pris en première pause dans l'émission, n'a pas tourné. C'est Saint-Fleur, n'a pris en première pause dans l'été branché, signal 90 degrés, n'a pas tourné. Olapalais.com Signal 90 degrés. À 34 minutes, nous tournons. Merci d'être branché Radio Signal FM dans l'heure. Émission Signal 90 degrés hein, pour un débat de haut degré, pour un débat plus loin, plus fort et plus utile. Donc, nous avons Nixon Atis qui arrive, Nixon qui propose à le public. Là. Bonjour Nixon Atis. Bonjour Gauthier, bonjour Elisabeth Jolicoeur. Elisabeth, c'est Elimda de salut avant. Mais le fait que Gauthier mène bal là, hein, au gain contrôle leadership matin. Bon, précis, ensemble, c'est Elisabeth, pour pas quatre raisons. Puisque Elisabeth, son femme qui a fait respecter Doual, son femme qui fait un téléphone en société, a décidé de faire un hommage dans le micro. Hein? Jimmy Ménard, Martinez, Classidor, Marcel Joseph, C.S. Fleur, hein? Pierre Brunet, toute équipe là, tout le monde qui branche Koto et dans le monde là, nous connaissons même en pile, émission ça. Et moi-même, ça fait me lever bien matin. Il y en a qui fait me lever bien matin. Hein? Bon, on va le dire, est-ce que vous êtes bien marché, bien sûr, vous êtes bien marché. C'est parce que mon groupe citoyen, Nago Naïve, qui décide de dire que je suis une équipe qui a joué la caillou. Ouais. Parce que Nago Naïve, tu es toujours dans une zone qui morale, qui toujours bataille pour ça, qui est juste, pour respect de monde, pour l'image pays, les indépendants. Donc, moi, c'est une bonne image, son bonne position. Mais toutefois, il y a un petit côté d'accord, puisque un groupe monde, en dans la communauté, a décidé de dire aux citoyens, dans l'état que tu es président, ou bien qu'il y a une communauté, pour ne pas venir performer. C'est toutefois, il y a une élève performer. Donc, bah, c'est dans les deux cas, il faut essayer de mitiger. Mm-hmm. Et toutefois, on a demandé équipe mais qui a, comme si faire musique plus ou moins morale, parce que nous ne pas après ça encore. Mm-hmm. En fait, excusez-moi si je suis intervenu sur ça, et je pense que l'important que de marteler dans la société, hein, c'est l'irresponsabilité de l'État, l'absence de l'État. Je suis sûr. Et ça, on dit là, c'est exactement. C'est ça. Lors de la société, côté l'État absent, on a toujours gagné. Un citoyen impôt, citoyen impôt, citoyen aussi, vous avez responsabilité. Exactement. Et l'État t'a montré le présent à partir du moment où, après la prestation de Michel Martelly, l'État t'est intervenu. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, automatiquement, l'État n'a pas fait, ou bail. Même Mairie Delma, à côté que le festival a fait, là, parce que non, on parle de ça. En parenthèse, c'est que je changeais que mon période leur demandé Michel Martelly, comment faire qu'on a dit toute bêtise ça, ou comment ça, monsieur Dima, parce que l'État. Parce qu'il va gagner l'État. Parce qu'il va gagner l'État. Il y a un quand l'injustice devient la loi, la résistance est un devoir. Bien sûr, la désobéissance civile est un devoir. Si l'État n'a pas assumé la responsabilité, Marcel, écoutez, il y a des citoyens. Il revient aux citoyens de prendre leur responsabilité. Et moi, c'est de bonne guerre, c'est une bonne note pour les indépendants, hein, qui prennent position contre ça. Mais toutefois, on a demandé maire là. Mais la tortue, Nel la tortue, pour peut-être prendre position par rapport à ça. Il a été un peu trop loin. Oui, oui, oui. Il l'a encore. Il est trop loin, mais
essayé d'aider au Nelson hier soir. Non, ça son soeur qui dit que Martel est tellement énervé qu'on pas qu'être dans les médias, femme ou garçon, qui a critiqué avec un de l'argent. Donc, pensez nous-mêmes dans Signal FM. Non, et vous, Nelson. Dans Signal 90 degrés. Non, il dit pourquoi pas citer non, il ne prend pas de l'hier soir. Mais pas de plus gros crime qu'à la population, non. Pendant que critique on nègre, et vous allez en face, ou bien femme, en face, parce que le ministre général pour demander de l'argent. Laisse-moi détruire la population au diable, ça capte en dos. Écoute-moi. Pour composition, je comprends que sous un média, ou pour pouvoir, ou pour gérer le pouvoir. Mais ce qu'on sont critiques, ou pas, après, il n'y a pas de l'argent. Écoute-moi, quelque part. C'est grave, c'est immoral. Et quelque part, où Nelson a raison, regardez le silence du AMNH par rapport à la prestation que Martelly baille une phrase. Pour que ça, on va jamais sortir une note pour fixer position. Oh, Martelly, tiré à boulet rouge. Et on a fait succès avec la bêtise. Et la bêtise est présidentielle, des fois. Bien sûr, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Mais il y a une pensée. Ce que tu peux remarquer, c'est que Michel Martelly dit bêtise beaucoup plus cette année. Oui, parce que il remarque avec la bêtise, ça marche. Il s'est trompé. Et que il reviendra aussi encore avec la bêtise. Oui, bien sûr. Il imposera encore la bêtise. Bien sûr, il y a une pensée d'Albert Camus. Bon, cette pensée, la bêtise insiste toujours. Donc, laissez les bêtises insister. Marcel Joseph, pour l'édito. Est-ce que l'édito? Gina! Alors, je ne sais pas si l'édito après, mais. Non, c'est presque prêt. Presque prêt. L'étouffé, hein? Mais nous, bien que Marcel pas dans la bêtise. Alors, ça me déplaise, malheureusement, je ne suis pas là hier, pour ne pas parler de ça, pour me faire le point de l'après-séisme, et surtout par rapport à la cérémonie qui était faite dans le palais, cérémonie de pose de. Première pierre de rapport avec la construction du palais. Alors, Mbrel Doumba, là, c'est pas, j'en dis, on a développé une masse critique en dans société A ou soit en dans un signal 90 degrés. C'est pas pour, j'en dis là, c'est pour détruire la présidence ou détruire l'État, mais c'est pour construire, c'est pour aider la société A. Monsieur Mendil, là, c'est pour un réveil de conscience dans la société A et pour nous aller vers la nouvelle Haïti. Moi, je suis mal à l'aise pour moi que des gens en parlent national, des conseillers du président de la République, parti président, mon cher Wap, font cérémonie de pose de première pierre. Il faut qu'il y ait un dossier, le dossier de la construction du palais. Ça ne me rend pas un dossier, ça veut dire un dossier, la presse à plat, la presse présent, on va remettre un dossier de la construction du palais aux journalistes, aux médias. Darren, mais peut-être Jura, peut-être qu'il en parle, il a l'oreille du président de la République. Darren, mais on parle dans le monde de Kou Tamara, c'est vrai que la fait ZAM, il y a une question porte-parole là. Mais en termes de protocole, les journalistes allent à un événement, surtout un événement d'État, et que son projet d'infrastructure qu'a présenté, il faut qu'il y ait un dossier. Le petit dossier à qui ça qui supposé d'abord là dans le c'est que supposé qu'on résume et on communique de presse. Qui l'a donné pour remettre journaliste pour dire mais construction mais ça va le fait. Mais d'abord faut que les plans sont là, les plans, le plan, quel est le plan de la construction. Plan. Mais avant plan, faut qu'on des propositions qui faites par rapport à architecture, architectural. Si c'est pas une construction architecturale faite ou une construction faite maintenant. Faut normalement au départ tu as supposé gagner un dossier monté, un dossier d'appel d'offres et qui a rejoint des architectes, des professeurs, des firmes et qui m'a dit on appelle à proposition qui a rejoint des professionnels de urbanisme, pas urbanisme mais des architectes, ouais, parce qu'il y a plein de firmes d'architecture dans la ville là et de construction et que il y a des propositions qui faites et propositions ça où il fait choix de yo. Maintenant, si nous disons que nous avons financé par nous, avec le trésor public, il faut qu'il y ait un budget. Il faut qu'il y ait l'argent là, disponible pour ça. Nous comptons l'argent absouti. Nous assurons nous comptons l'argent absouti. Ce n'est pas venu dire, ah, mon cher, je commence par prendre 250 gouttes dans mes roues, je commence par prendre 25 000 gouttes dans mes roues. Il faut qu'il y ait un budget. Maintenant, ce budget
et ficelé et plus ou moins la présentation nous la presse connaît comme cob palais nous va le construire à côté. Deuxièmement, faut qu'on appel d'offre, c'est-à-dire mon film qui va exécuter qui construction palais. Maintenant, après ça, il faut qu'on chronogramme. Il faut que c'est NMP qui soit. Oui, oui, bon, bien sûr. Mais tout à fait. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça m'a parlé de dossier, le dossier bien constitué, bien ficelé. Maintenant, l'appel d'offres est lancé et que finalement, nous choisissons le film. Non, nous avons un budget. Maintenant, nous allons commencer à exécuter. C'est à ce moment-là, le dossier est fini de monter et que maintenant, nous avons fait pause de première pierre. Nous avons assuré nous que tout le monde est préparé pour. Parce que pose de première pierre, son cérémonie pour dire que tout est prêt et que maintenant, officiellement, on va procéder à l'ouverture d'un chantier. Ok, on va faire l'installation du chantier. C'est ouverture, un chantier commencé. Mais chantier par là, pourquoi commencer? Mais Martinez, écoute. Donc, en termes de protocole, ça veut dire que. Et je pense que les conseillers du président de la République, tu as supposé dire, monsieur le président de la République, c'est vrai que. Ou voulez parler à fait, c'est vrai que ou voulez une réalisation, ou voulez une certaine visibilité, mais voilà les prérequis. Les prérequis, c'est qui ça? Il faut qu'on dossier qui constitué, et à ce moment-là, avec un chronogramme bien déterminé, pour dire que pose première pierre là, faites telle heure, dans un mois, moi, qui niveau chantier à pied, dans trois mois, moi, qui niveau la pied, mais qui les parler à pour mettre la remise, jusqu'à la remise. Jusqu'à la réception provisoire et réception définitive. Monsieur que, par exemple, on est avec mes amis PAM, musicien, Clément Bélizère, qui actuellement c'est responsable UCLBP. Directeur UCLBP, qui lui compte ça bien. Là, qu'on a parlé de chantier, infrastructure d'État, et qu'on pose le premier pied à cap fait, il faut que toutes les activités déjà préétablies, et finalement, on appelle le président de la République pour dire au président. On est prêt, on peut faire la pose de la première pierre. Très bien. Nous habitués avec et Jean Dubaïsao, comme si en Haïti, nous improviser toute bagaille. Même la gouvernance, nous pensons que nous avons improvisé. Or, nous ne sommes pas capables de développer un pays dans l'improvisation. Ce sont des projets et des chantiers qu'on identifie. Un bon exemple. Pas qu'il y ait un gouvernement sous la terre, même pays qui est plus riche et Martinez que Konza Nixon. Il n'y a pas jamais capable de performer dans tout domaine, non? Chaque gouvernement monte, chaque président, il a identifié deux ou trois chantiers. Et puis il dit, il n'y a pas le résoudre le problème ça pendant 4 ans, pendant 5 ans. D'où la formule, Samba interrompu, la formule de l'assemblage au niveau international. Parce que les pays comprennent qu'il n'y a pas toute expertise. On dit qu'un pays décide de faire machine, il dit ou même, on fait moteur, tel pays a fait moteur, tel pays a fait caoutchouc, tel pays. De façon à ce que, non seulement pour ça créer une cohésion entre les États, mais ça tout, comprendre qu'il y a des expertises, pays a obligé de développer, là, le problème de tel côté. Tout à fait. Par exemple, et Jovenel Moïse est capable d'entrer là comme président. Et puis monsieur dit, il y a deux grands chantiers. Là, il a un résultat là-dedans. Il dit, c'est agriculture. Et puis il dit, c'est infrastructure routière. Il identifie deux chantiers ça. Il dit, il n'est pas le performant là. Donc, lorsque le président Martelly, il a 5 E. Et là, monsieur Ali, où est-ce que 5 E est tourné? Où est-ce que 5 E? Donc, 5 E est tourné 5 E. Où est-ce que le résultat, monsieur dit, environnement. Bon, monsieur a fait environnement. Nous sommes quoi qui dépense dans la question environnement, mais jusqu'à ce que M. Martelly quitte le pouvoir, il n'a pas dit que le système couverture forestière pays il sorti de tel niveau à tel niveau. Mais il n'a pas dit ça. Donc, pas qu'on analyse séquentiel. Pas analyse séquentiel. Il dit qu'après 5 ans, mais tel niveau, le problème était identifié et qu'il était pour le non.0, il mettait le non.3, pas que ça. Mais l'autre problème, c'est que, faut que nous disions, monsieur, il y a une certaine passivité dans la société. Et c'est ça que je t'ai dit hier. L'haïtien accepte n'importe quoi. Donc, pourquoi jamais mon société côté moun accepter n'importe qui va. Et moi-même m'a posé cette question. Est-ce que c'est pas parce que haïtien pas quoi dans le système de taxation? Parce que l'autre bon, lorsque l'on paye taxe, donc on connaît forcément, faut qu'on joue un service proportionnellement à taxe qu'on paye. On va continuer pour un exemple, monsieur, les nappes descendent route d'Elma. Qu'on a moun pas qu'à descendre d'Elma. Tellement route là, les gondolées. On avait dit, ouais, route là, c'est gradou, les faits. Alors pour on exime qu'on société. Pour qu'on à terre aussi important qui relie toute ville là. Parce que l'on prend route d'Elma, son autoroute pratiquement. On transversale l'île. Qui relie et Boudon et Tabac d'Elma. Son route qui t'a supposé clean.
Quand comment dans qui est tanné qui quitte route là. Il y a de graves problèmes de drainage. De drainage justement. Route d'Elma. C'est l'eau qui fait ça. Pas de drainage. Pas de drainage. Hier soir quand il a pluie tombé, c'est pour qui quantité de l'eau qui a traversé la rue là qui sous trottoir. Oui mais les asphaltes là gonflé comme ça. C'est ce problème de drainage. Grand tronçon de Delma 91 jusqu'à Delma 87, c'est tout on a pas panier, c'est gru, gru, gru. Oui, donc c'est pas normal et il a longtemps. Ça l'a longtemps. Moi même ça me t'a dit par rapport à pause première pierre pour dans l'entraîneur éditorial Marcel là. Monsieur Laurent Lamotte à l'époque c'était et moi quoi Dieucel Simon Dirac était président Sénat. Je posé pause première pierre parler et parlement déjà. On soit regarder dans rapport Pinto Caribe après 10 millions de gouttes décaissées, zéro travaux réalisés. 10 millions de dollars décaissés, zéro travaux réalisés. Ça veut dire nous habitués à faire population ça déjà. Donc pour ce premier parler national là, ouais, ouais, sur Facebook PPPP. Oui. Oui. PPPP. Pas de place pour le peuple. Pas de place pour le peuple. Donc ça veut dire que quelque part pour ce premier parler national là, donc et nous va prendre au sérieux. Ça me conclut par mon document officiel qui fait ça. Pour me compléter les ordres, dire moi je pense que faut que nous sérieux dans la démarche que nous avons fait. Je crois que nous apprenons dans le virage, nous apprenons dans le signal 90 degrés, nous apprenons l'utile à l'agréable. Et je suis que le palais national peut-être apprend notre. Et je me sentis quelque part, il a commencé à réveiller, il a attendu, il a écouté. Et c'était, je dit, ça me dérivait, c'était sous et pam pour l'année 2018 là. Et que la présidence et que l'État et que monde qui a autorité l'État y écouter. Il est assez intelligent pour y écouter. Y écouter. Et puis y connaît que moins senti y commence à écouter. Alors ça me devait dire en garder en fond retour en arrière qui ça ensemble de président qui était pays a qui était pour pays ça durant ces 50 100 dernières années. Vous parlez de Henri Christophe qui quitte la citadelle, qui vit non patrimoine. Non, mais. Et puis, Dumas est estimé. Qui vit des bisous. Mais Martinez. Mais qui ça nous gagne là? Qui ça nous gagne là? Que nous avons ensemble de présidents. Elisabeth. Elisabeth, ou qu'a intervenu dans ça tout. Parce que, écoutez, il faut d'abord qu'il y ait un souci de marquer son passage. Ça veut dire, psychologiquement parlant, l'homme où nous rentrons en côté, ou qu'on est passage où il est supposé marquer. Mais est-ce que nous avons ce souci-là? Est-ce que nous avons aujourd'hui encore ce souci-là? On l'avait dans le temps. C'est ce qui nous a donné le parler sans souci. Maintenant, l'histoire, est-ce que mon nom c'est intérêt ça? Palais sans souci, normalement. Palais sans souci, la citadelle. Palais sans souci, normalement, dirigeant dit bon voilà, moi, il faut me quitter. Ça, nous jeunes, quand même, nous jeunes quelque chose, nous jeunes Petro Caribe. Est-ce que jusqu'à maintenant, il n'a pas fait la une parce que l'argent vient, il dépense mal. Mais nous, nous, souci nous a parlé, hein, parce que mon son fierté intérieure, il gagne, il dit bon voilà, donc moi-même passé là, mais ça me voulait quitter, m'a aimé, il continue à parler de moi, mais parler de moi en bon, disons voilà, mais ça me défait. Mais qui ça nous est? Depuis quelques années, politique. Bon, si on va que vous faites m'intervenir sur lui, même grand document sur lui, me préférer, c'est le document ressorti et puis m'intervenir juste pour me. En tout cas, il y a un problème, un sérieux problème, c'est que. Il y a un véritable déchirement de sanitaire les liens sociaux, le tissu social haïtien les déchirer. Et puis haïtien yo ou pas senti bon l'esprit appartenance, moun senti li appartenir à ce terroir, à cette terre et que li vle construire. Donc c'est ça me dit c'est pas intérêt ça. Tout à fait, faut que tout moun connaît émission ça n'a pas appelé, c'est pas une émission d'opposition et pas une émission pour pouvoir. Moi c'est une émission du service public, d'utilité publique. Marcel, l'édito est prêt, on y va avec Marcel. Est-ce que n'a proposé après non, ça va. Donc Marcel Joseph, c'est Saint-Fleur. L'édito avec Marcel Joseph. Paul@palais.com. Une réalité qu'a traversé société a que malheureusement toute société a subi. C'est pour cette société a subi, mais pas jamais gagné qui fait. L'État, qui a un rôle de régulateur, montrait à clé que l'est dépassé par événement. Donc, l'État a montré tout le monde échec. Et à partir du moment où nos sociétés, côté l'État, montrent échec,
logique là, c'est qu'on tombe dans l'anarchie. L'État haïtien est complètement désarmé devant une réalité grandissante, mais de manière purement anarchique. Et m'a pas ajouté criminelle. Nous prenons le parler de phénomène motocyclette dans le pays d'Haïti. Comment, comme représentant de l'État, ou capable rester bras croisés devant une motocyclette qui a passé avec deux, trois, quatre timons sous lit qui parlent l'école? Donc, timons yotan couillon, on m'a connu poule. Personne ne va dire rien. Le pire, c'est qu'ils ont passé tout de côté. Ça veut dire devant tout bureau de l'État, tout le monde. Ils sont dans toute la rue, donc tout ministre croise avec eux. Personne ne va pas dire rien. Ça qui est là, et qui va montrer l'irresponsabilité de cette société à tous les niveaux, pas uniquement l'État, c'est que pas l'âge pour le monde. Mettez si moun sous motocyclette. Et qui moun ko wè qui est intervenu pour dire monsieur Timoun sa trop petit? Pratiquement personne. Ça veut dire les principes d'apporter secours à la personne en danger n'est pas même existé jodia dans la société noire. Gen pile moun kap koute m la et puis kap di mais pas gen alternative. Qui sont vle pour que moun yo fait puisque ou gon problème de transport. Eh bien, m'a dit nous que c'est rôle l'État pour que le trouver des alternatives. Et c'est rôle société à tout pour qu'elle propose des alternatives à l'État, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de vie. Phénomène motocyclette, ça, c'est pas seulement Haïti qui a fait face à lui. Mais lorsque yon l'État assumer responsabilité. Il y a une responsabilité qui consiste essentiellement à protéger la vie de l'individu, même contre son gré, eh bien, l'État a toujours trouvé des solutions. Et j'ai bien dit, l'État responsable. Certainement, face à ce constat, j'allais dire le pullulement des motocyclettes, je sais qu'il peut révéler difficile pour les autorités d'y trouver une solution. Par exemple, phénomène taximoto. Pour qui ça? Parce que les vignes devenues ont moteur dans l'économie. Hein? Pour qui ça? Parce que grand pile intérêt qui rentrait en ligne de compte. On a jusqu'à regarder ce phénomène, on va voir que ce n'était pas seulement moun classe moyenne qui l'a dedans. Mais c'est tout le monde dans la société a pratiquement qui a une motocyclette, qui a un monde que la baille moto pour faire taxi-moto. Ce phénomène de taxi-moto n'est pas existé seulement en Haïti, comme je l'ai dit. Il existait dans un bon pays, en particulier des pays de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, dans des villes comme Lomé, au Togo. Par exemple, dans des pays comme Burkina Faso avec Ouagadougou, dans des pays comme le Niger, Nigeria, Tchad, sont phénomènes qui sont en train de gagner du terrain. Et en Haïti en particulier, sont gangrènes. Mais qui traduit clairement l'incapacité, par exemple, d'Haïti de se doter d'un système de transport en commun et aussi de créer des infrastructures adaptées à la réalité. Parce que phénomène là dans la société, il est capable d'arriver. Puisque généralement, on sait de phénomènes qui précédaient ma société. Mais automatiquement, l'État, ensemble avec des mounes, des observateurs dans la société, ils ont proposé des solutions. Moi, aller Burkina Faso. Les mouvements Burkina Faso, c'est un côté malé souvent. Et en particulier, on était plus à Ouagadougou, la capitale. Maintenant, Ouagadougou, il y a un pile moto, énormément de motos. Ou alors l'église, l'arrivée, où est toute moto, il y a un paquet dehors. Même pas où est taxi moto. Mon phénomène de location de moto. Et ça qui est intéressant, c'est que à Ouagadougou, ou est un pile femme sous moto. Donc ça veut dire, phénomène motocyclette là,
vient tourner un phénomène d'excursion, un phénomène côté moun nan gwa gen machine mais le gon ti moto quand même pour le sortir. Ça permet li passer plus vite à travers circulation. C'est ça qui fait tout l'or à l'église ou après que toute moto yo parqué dehors. Mais moto yo parqué, yo pa gen moun sou yo parce que tout moun yo an dans l'église. Et c'est très bien arrangé, très bien structuré et on était toujours très impressionné par la façon dont moun yo rangé moto yo. Donc ça veut dire il y a une régulation, donc l'état est en contrôle. L'aime parler de Burkina Faso, on parler de moyens de transport personnalisés. Ça veut dire l'individu a ligé moto a comme moyen de transport. Donc comme on te dit, même s'il gagne machine, il gagne moyen de transport ça. Mais moto et tout, l'état structurel, ça veut dire l'or Burkina Faso à Ouagadougou ou après une lumière rouge pour toute moto yo capable de camper. Ou après tout, il y a des voies qui sont réservées à moto. Question taxi moto, elle paraît au XXe siècle. Nous avons dit ça, en particulier en Afrique, tant qu'au Kenya, Sénégal. Ce phénomène qui montre à clé, ça n'est pas capable de la paupérisation massive de la population et aussi crise économique continue dans le pays. En particulier dans le pays d'Haïti. Et aussi, l'incapacité de l'État pour qu'il soit capable de créer un service de transport public correct. Malheureusement, l'État haïtien a tellement trou dans la manche qu'il est toujours très frileux pour prendre des décisions de régulation. Parce qu'il peut toucher des intérêts. Intérêt en série de monde que cap nourrit l'État et que l'État a mangé dans l'air. Donc, l'État, dans son irresponsabilité, vient trouver la discriminer en série de monde dans la société. L'ayomoto qui gagne 3 timounes sous lui, qui gagne 4 timounes sous lui, qui prend l'école, c'est qui est sur lui? C'est petit peuple là. Mba jamwe yon moto avec 3 ou 4 timoun kap rentre Union School. Mba jamwe. Donc l'État discrimine au niveau de la taxation, mais dans le but de favoriser l'équilibre social. Mais ou pas capable de discriminer pendant que ou pas répondre à responsabilité pour protéger l'individu sous santé. Depuis tant que ce phénomène de motocyclette existait dans le pays d'Haïti. A-t-on déjà vu des voies réservées pour les motos en Haïti? Non. A-t-on déjà entendu parler des séances de formation pour les motocyclistes? Non. A-t-on déjà parlé du phénomène côté gon police comme il y a fait police université, frontalier? Est-ce que gon police qui t'a placé juste pour surveiller les pères et des mères de famille irresponsables qui a metté 3-4 timoun sur moto pour mener à l'école? Jamais. L'État qui t'a moto à circuler avec 3-4 timoun, 5 timoun, n'importe qui jean sous lit, c'est une façon de dire ça pas gade m. Yo te mette mouri. Sapagadim, bon débarras. Olmapalais.com Signal 90 degrés. Minutes, nous tournons justement après l'éditorial de Marcel Joseph. Nous allons regarder ensemble, nous allons faire commentaire pour nous regarder et chaque matin qui ça qui est véritable une source de motivation Marcel, puisque nous, Marcel, toujours cherche un sujet, actualité, un bagage qui a rongé la société pour le faire. Éditorialement, c'est sûr que par rapport à ça, lui-même n'y comprend, mais il y a aussi une réalité. Donc, il y a un éditorial qui est bien ficelé, qui est bien charpenté de Marcel Joseph. Déjà, il a gagné des commentaires. Elisabeth Jolicoeur, il a déjà gagné des commentaires. Eh bien, et débat ouvert, commentaires
il est ouvert. Donc, et Elisabeth, et tes commentaires sur l'édito de Marcel Joseph. Merci Bernard. Ma pas dit Gauthier. Ma pas soutenant Bernard. Hein? C'est parce que là, vous me venez sur le bout de Gauthier. Je suis capable de dire non. Je suis capable de dire peser sur un non. Ça la vient de donc, on arrête là. Oui, Marcel, normalement, préoccupation, c'est que ça fait quelque temps, moi, Jean de Baïsayo, t'es tellement penché sur yo. Il y a une époque, je pense que les gens ont pensé que je suis fou. Et ça fait, c'est ainsi, ouais, je suis capable de signer 90 degrés encore. Parce que là, je viens de voir que ils ont perdu de temps. Question l'État. Donc, nous sommes le notable discuté élite. Et pardon, élite, ça me dit, parce que nous pas qu'à élite sans nous pas avoir beauté. Nous pas qu'à élite sans nous pas avoir tout critère qui a rapport avec. Sa rele propreté. Donc, ça nous pral gagner kounyan là. Tout temps pa ka gen on élite qui capable travailler ensemble avec l'État pour faire l'État prendre responsabilité. Tout temps nous gen on élite malpropre. Donc c'est ça la toujours yé. Donc l'État nous pral gagner responsabilité, li pa prendre parce que qui est-ce qui pour permettre lui prendre responsabilité. Tout temps pa gen on moun là. OK, maintenant ça qui passé problème moto dans la rue. Si il y a un problème moto dans la rue. Donc Jovenel côté li il a toujours dit pas ouais magistrat lui même qui a toujours dit c'est pas route li mais c'est moi même c'est Nixon c'est Bernard qui a ouais qui a tendé. Donc qu'il y a là qui pour faire travail nous dit bon là on pas accepter tout à l'heure nous t'a parlé question de taxe on pas payer taxe moi et puis je suis monté sur des séries de bagages et puis simplement observer simplement constater d'ailleurs me songe que me dit ça déjà dans émission pour nous parler de changement oui nous capable observer mais faut, après nous fin observer faut nous réfléchir avec une solution et puis en après faut nous proposer solution pour nous capable travailler pour nous arriver donc cette histoire que Chita, toute la cette journée, constaté que bon, dommage, c'est qu'on a dépéré. C'est pour moi-même, l'ivin de cousson, c'est plein à plein. Oh mon Dieu, regardez la situation, mais toute la cette journée. Donc, c'est que c'est pour le moment, c'est élite qu'on y a là pour commencer à toucher, pour nous dire bon, voilà, ou c'est élite tel secteur. Donc, faut que nous prenions responsabilité dans la main, faut que nous poussions l'État à agir. Mais si tout le temps, si tout le monde, c'est, excusez-moi l'expression, c'est salopio et c'est malpropio. Donc, nous pas privé aucun côté. Donc, Jean. On te dit et comme professeur Michel Souka t'es venu invité dans émission que dit te répéter encore pour une société avancée faut que nous gon élite qui propre. Donc on capable dit moi dans élite dans tout est-ce que ti effort m'a fait li capable aboutir à quelque chose Nixon moi de temps en temps li gen ti effort la fait tout poser dit ti est-ce que l'a abouti avec quelque chose non c'est renforcer pour nous renforcer non pour nous arriver à quelque chose autrement frère mio si ça c'est nous pas toucher parti ça nous pas à toucher élite là prochaine fois pas poser une question sur l'état tant pis tout à fait mais il faut nati effort li capable gagner un effet de contagion mais faut nous renforcer c'est ça me dit faut nous renforcer pour nous aller plus loin d'abord m'a remercié éditorialement Marcella et m'a félicité le boli et question ça problématique ça était toujours intéressé bien content que matin préoccupation ça les toucher que le toucher plumé pour le porter pour auditeur signal FM yo auditeur et auditrice puisque vous connaissez Elisabeth très sensible pour question genre là et que m'accepter avec elle bon même m'a essayé garder les bienfaits d'abord de la politique de moto en Haïti et quelque part dans la région caribéenne. Mm-hmm. Puisque il n'est pas sorti de là. C'est une politique monde, si vous utilisez ça, pour monsieur pomper en série de petits pays moto et faire en sorte que jeunes femmes, jeunes garçons qui en pile fois pas rien rentrer dans une dynamique comme ça pour y servir. Bien fait, c'est que en pile fois moto, il y a des activités que nous avons fait ou bien il y a des urgences nous avons obligé d'utiliser moto. Ça écoutez bien fait, qui permet de nous arriver dans le temps record par rapport avec l'agenda nous sommes de respecter. Bien fait, moto encore, c'est que nous permettons aux gens qui ont moto à rentrer au moins 1500 gouttes chaque samedi. Okay? Mm-hmm. Et nous permettons aux gens qui ont tout conducteur là, de manger le cabouet. Ouais, et permettre de faire petit l'école pendant longtemps. Mm-hmm. Donc ça, c'est bien fait là. Et puis, bah, en termes de bien fait encore, permettre que, en plus les jeunes femmes et les jeunes garçons, j'en ai dit tout à l'heure,
ont des activités économiques pour survivre et laisser ça pour moins s'entraîner dans des camps juvéniles. C'est vrai. Mais c'est mes faits qui sont pour toi, c'est que moi-même, j'ai l'impression sur chaque 100, hein, je dis là avec toute réserve, sur chaque 100 monde qui a une moto en Haïti, pour me c'est plus précis, m'ba gen sûreté que 95 cas là prendre une route. Et bon, il me fait. Ça veut dire nous voyons ça le comme résultat en pile accident. Et des fois nèg cap conduit en pile fois ces garçons moi conduit moto en Haïti, nèg cap conduit sous moto, c'est comme un cascade lié. On lit pas peur comme si ou même qui est là, lié pas bon point. Mais fait gain encore c'est que mon cap poto là, conducteur là en pile fois n'a salut ta maro yon qui n'a là. Nous t'ai déjà parlé là en pile fois mon qui conducteur là, il pas protéger. Des fois casse la tête lui, il va mettre une tête. Ça veut dire ou même qu'a pile qui permettre lui vivre là, il pas protéger. Ça veut dire si lui font accident ou plus vite mourir avant le tomber sous tête ou plus vite mourir avant. Ça écoutez mes frères. Bon côté moi même que le côté banditique. Ça nous va canier en Haïti. Ça veut dire en pile nèg utiliser nèg motocyclette pour faire des actions assassines, des actions criminelles et nous toujours vivre ça dans la réalité haïtienne. L'autre côté, je pense qui ont méfait encore, c'est le côté institutionnel. Puis il faut que nous ayons mais on va prendre quel côté. Et il y a une direction que nous tous connaissons, qui est le papier. Et le légal. Elle dit, même au niveau institutionnel, direction qui a géré question licence, ça, il y a dans les autres là. Et moi-même, je crois que pendant la PC, fait constat, bien fait, mais fait, il faut nous avoir un message clair. Ben l'État, pour le prendre responsabilité. Et puis pour l'État, comprendre qu'il faut le réguler, question moto en Haïti, puisque M. Moto, en pile fois, il n'a pas protégé le monde, il a monté sous le monde, il a continué pas de gens, et des fois, il y a moto à Nègla, il a monté moto, et puis, quand on est arrivé, il dit bon, mon cher, c'est fait moto à la bombe Cléa, il y a les âmes sur Bilbron, et en pile monde victime de ça. Et je pense que je veux dire là, nous n'avons pas de problème pour moto circuler en Haïti, mais fuck, Jean-Marcel dit dans l'éditorial là, il y a des institutions qui responsabilise ça, qui chapeaute, leur moto font, et puis ils identifient moto, ils identifient moun qui a conduit moto, par exemple, ils ont un NIF, ils ont un numéro, quel que soit moto, font action, qui a poursuivi, quel que soit côté l'IA, et là ça, n'a pas l'état côté que justice ou bien sécurité publique a plus ou moins en main, et là ça, n'a pas l'état côté que moun, pas peur, monter moto, parce que moi-même, quand on a monté la caméra 9h, 10h du soir, n'a pas poté mon pel, et n'a pas tout peur, tout. Où est ça? N'a pas contrôlé mon dédol, donc je pense que, moto a fon régulé, toutefois, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Je crois que Nixon bien m'a une question. Elle parlait surtout de mes faits. Et je crois que l'éditorial Marcel posé là, présenté là, ramené nous à problématique du transport de biens et personnes en Haïti. Et de ramener tout vers l'autre élément binôme de question sécurité routière en Haïti. Je dis à si n'a pas les deux le banditisme, de l'insécurité, je n'aurais même pas le dessin dans les médias, les assassinés au monde bombal, insécurité, 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 alors que je dis à nous, nos pays qui ont de graves problèmes de sécurité routière. Nous avons insécurité routière, grand pile accident de la route qui a fait que la route nationale, en dans ville. Et donc la problématique du transport de biens et personnes mène nous à la question du transport moto qui vient de bagarre improvisé. OK? Donc, Nixon se dit là, c'est vrai que son paquet de gros pays qui fait moto, maintenant qui vient servir une équipe petit pays. Mais malheureusement, mais nous-mêmes, nous ne nous pas organisé, nous mal organisé. Donc, je dis à soit dans l'hôpital, soit pour repérer un ensemble d'accidents qui fait, accident de la circulation, la plupart, c'est normal, la plupart de eux, c'est accident moto. Le centre de santé et tout, où aller, c'est accident moto. Et il est évident que l'accident ça a fait parce que problème formation imposée. Et ensemble de motocyclistes qui sont dans la rue, la plupart d'eux, pas qu'à quel côté ils ont pour une formation, au moins pour gagner au moins principe de base de la circulation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième, c'est que l'élément institutionnel, je crois que Nixon te parlait de ça.
ou pas une structure de contrôle et d'inspection. Est-ce que la circulation, je dis à la, ils vont côté chaque mois de moto, ou soit chaque deux semaines, puis au passé, et puis il y a checké, est-ce que la moto a un frein, est-ce que la moto a un arrêté sous le monde. Ah, ou quand pour motocyclette là on monte sur lui ou il est motocycliste ou monte ou quand c'est moto à frère à pas un bon exemple là il y a une cousine mais qui fait accident la semaine ça accident le fait à son motocycle ou motocyclette non on Polaris qui pas un frère et puis qui entre sur lui je dis le père du jambe pour lui manquer mourir donc c'est ça de ça on a parlé donc ou pas gagner ou de structure de contrôle par exemple c'est ta rôle circulation je dis à la pour ta faire travail ça. Ça pas mandant plus moyen de ça que ça. Fait moto à vin au côté ou stationne au côté ou check. C'est pas dit bon papier moto soit bon papier machine et beaucoup et c'est ça contrôle là. Contrôle là c'est pour garder moto à faut inventorier. Est-ce que moto a bien marché? Est-ce que il gagne bon caoutchouc? Mais dans des pays, il y a l'autre pays qui dit que un motocycliste pas capable à boulot moto, à circuler en moto, ça que le pas gain casque. Ici moi à un certain moment là, j'ai été prendre mesure, j'ai dit que faut moun gain casque et faut moun pas porter plus que deux moun. Et là n'gain regarder réalité à un certain moment là durée, ou j'ai mesure ça que t'es prendre moi motocycliste qui commencer mettre des casques. Mais les motocyclistes mettent des casques et que passager le porter aller pas gain casque, donc ça veut dire. Donc faut dans les autres pays du monde par exemple comme la France ou un motocycliste avec un monde derrière lui motocycliste a gain casque mais en même temps passager mon gars là gain casque en même temps il y a des pays même yo exige des vêtements spécifiques pour moun monter motocyclette parce que yo estime motocyclette là c'est un son moyen de transport un petit peu aussi dangereux ça veut dire que ou très vulnérable ça veut dire que n'importe accident qu'a fait et l'offre accident son plus cap cassé nous très fragile la fracturé donc à ce moment-là donc yo exige gain des vêtements spécifiques. Bon, là en Haïti, nous un pays pauvre et donc on va pas exiger motocyclette etc. Mais au fond, casse là, il pour protéger en réalité motocycliste. Donc on croit que c'est vrai que son bon outil pour transport en commun en Haïti surtout dans zone rurale, pas oublier que gain des zones rurales que nous gain, pas gain qu'un système de transport aujourd'hui a et grand pile section communale grand pile commune jodi a ou gade moins moun pou gen peu déplacer et des communes souvent qui proche de ti section communale qui pas trop loin Port-au-Prince seul moyen de transport moun nou gagne longtemps c'était bête bourri que te gagne motocyclette là vinn un bon moyen de transport pour mais malheureusement j'en dis a souvent passagers et motocyclistes victimes de graves accidents de circulation parce que secteur a pas régulé. Et moi, content nous, c'est deux spécialistes qui ont fait de grandes analyses autour de la question de la sécurité routière, autour aussi de phénomènes motocyclistes. Mais ou pas senti, l'État, ça ou pas senti que ce truc-là, on dit le service de la circulation routière, pas emboîté le pas de manière à ce que nous t'a dit, nous fait de secteur ça, monde qui l'a moto, eh bien. Et des populations, faciliter population dans le niveau ça. Très bien. Et ma précision. Et puis, dernier, Mme Dabdi, c'est que, à un certain moment, le service de la circulation, c'est qu'on fait monitoring. Elle me dit monitoring, non? Et chaque semaine, nous font bilan combien d'accidents de véhicules qui y a, accidents moto. Bon, il y a plus. Mettre accent sur accident de la circulation, accident de véhicule, accident de voiture. Et qui ça te permet? Il te permet, ouais, à un certain niveau, à un certain degré, on a évalué qui quantité d'accidents et qui mesure, qui vous prend. Et en France, c'est comme ça le fait. Chaque année, ils ont un bilan. Donc, est-ce que les gars, c'est l'alcool, ils t'aboient? Est-ce que vous faites des enquêtes pour regarder dans quel niveau? Mais ici, je dis, on n'a pas rien, je dis honnêtement, on structure au niveau de la circulation et qui travaille ensemble avec l'hôpital. Très bien. Monitorer, bien sûr, quantité d'accidents de circulation qu'a fait. Et comme ça, il y a entré dans la politique, dans la dynamique, de manière à ce que il y ait moins d'accidents, il y ait moins de monde qui mourit, il y ait moins de familles qui sont touchées par motocyclisme. Très bien, Martinez. Donc, et m'apprécier commentaire et
Elisabeth, Nixon Atis ou même Martinez. Nous gagnons l'arrivée de tous les Junior Félix, bien que nous n'avons pas des commentaires par rapport à qui est capable de venir et chauffer taxi moto. Donc d'abord, il faut regarder qui est habilité, l'en considérer pour mon ou un conducteur, un ensemble de facultés faut gagner. Par exemple, il faut que nous pas des troubles visuels, il faut que ce soit monde qui voit bien. Faut qu'on ait tout au niveau santé mentale, au niveau psychologique, c'est pas un monde qui est fou. Faut qu'on ait tout, c'est pas un monde qui est trop, qui est alcoolique, ça veut dire un monde qui est toujours absous. Donc, c'est des facultés qu'on doit gagner, qui permettent tout conduire une automobile, que ce soit machine, que ce soit et motocyclette. Donc, comme c'est motocyclette, n'a pas parlé. Mais faut considérer tout, question sécurité routière là. Faut que nous entrer dans une dynamique. Par exemple, moi-même, t'es gagné en équipe et jeune garçon bien avec eux parce que une aspect Nixon sont touchés à la utilisation question motocyclette là faut que ils sont moyens pour un paquet de jeunes garçons qui ont net gagné vie parce que j'ai des amis me connaît carré l'école calé dans faculté ou encore école professionnelle les vieux pas qu'à jeune grave acheter une moto et là chita m'a parlé avec Nixon ça dit même si t'es pas en travail 15,000 goud il va pas le travail parce que dans moto on fait petit solio sont bon micro entreprise il fait petit solio. Et puis, au pays, quand vous voyez petit l'école, etc. Même si vous reconnaissez, il y a un pile de sacs qui fait sous question, sous moto. C'est là qui utilise moto, qui fait des sacs. Mais la majorité des gens qui ont moto, c'est la ville qui a cherché. Donc, c'est paix quotidienne. La PC gagne. Mais question sécurité, moi, je pense que je suis avec une équipe et chauffeur taxi moto Delma. D'ailleurs, nous avons un nom à Chatamour qui est l'association chauffeur taxi moto de Delma. Côté nous dit, premier bagage pour nous faire, si nous voulons au moins être solidaires et comme chauffeur taxi moto, il faut que nous gagnions. On zone d'identification. Par exemple, nek Delma 3, nek Delma 3 identifié, nek Delma 33, nous avons un badge et nous avons un formulaire côté. Nous avons un nom qui est côté l'habité, personne de référence, nous avons qui maladie le fait pour s'il font accident, etc. Mm-hmm. J'ai commencé à structurer la question moto, hein, puisque nous reconnaître que son moyen de transport rapide, moi-même, Nixon, nous utilisons moto en pile, nous avons 8 heures bien avant de arriver là, nous quitter la machine même pour une moto. Parce que moi, je bloque sont tellement enragé, si je ne pas pour moto, je m'a privé en retard. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, cependant, il faut qu'on régularise. C'est absence d'autorité qui fait, je dis, 4-5 personnes qui sont en moto, sans protection. Je dis, soit font évaluation et du Mena ou après, il faut qu'il y ait environ 800 000 à 1 million de motos. Donc, ou imaginons un instant, l'État a bâillé une zone de supervision chaque 3 mois pour moto. Yo. Et que moto ça arrive une faire supervision, yo gon frère bail et puis l'état a doté de bon papier. Donc son manque à gagner li pour l'état, c'est un moyen pour notre petit cob pour capable régulariser système là. Donc moi pense que éditorial Marcel là sont très bon éditorial parce que il touche un problème qu'on a vu chaque jour et question sécurité hein. Je dis à soi l'hôpital Martinez Soudil non l'entrée dans la salle orthopédique ça puis fort monde qui boule morfle. Soit gars dans la rue en pile jeune fouet ou gongo brûlé des pieds yo c'est la descendre yo descendre bois mon fleur chaud li boulé yo donc en pile jeune femme jeune garçon pied cassé pour être cassé c'est accident moto donc son gros problématique lié moi c'est des monde qui spécialiste l'état de chita avec des monde qui s'y connaît en la matière pour résoudre problème là mais question pour Marcel comme Marcel aller dans l'autre pays en Afrique li wè gen même réalité hein donc comment wè l'autre pays ça yo Marcel ou même qui est réalité haïtienne nan, et réalité gen dans l'autre pays en Afrique moi sous cité dans Ouagadougou comme ça comment Ouagadougou comment Ouagadougou comment Burkina Faso Burkina Faso donc comment ouais ça résout problème motocyclette là Jimmy dit sujet assené livosé donc comment ouais Burkina Faso résout réalité et ça comme moi te dit dans l'éditorial là, c'est que gon bon pays qui a fait face à un phénomène. Premièrement, nous parlons de phénomène de paupérisation massive de la population. Ça, c'est nous parlons. Ça veut dire que nous avons moins de possibilités pour être capable de posséder une voiture. Et nous avons l'autre phénomène encore, incapacité de l'État pour qu'il régule de façon correcte le transport en commun. Et puis, nous voyons le Canada comment résoudre le problème. En France, l'arrivée en France, il y a énormément de motocyclettes. L'eau a circulé, les motocyclettes a circulé à droite ou à gauche, mais on pas ouais,
taxi moto. Ça veut dire et motocyclette là vient utiliser comme moyen de transport personnalisé comme moi te dit. Burkina Faso c'est un pays qui a fait effort et puis moi-même moi aller en Côte d'Ivoire en particulier à Abidjan et puis mon chauffeur taxi que m'a discuté ensemble avec elle et puis me dit monsieur mais soit penser de phénomène taxi moto. Je dis non pas besoin de ça ici. Donc il y a des villes qui prennent responsabilité ou limiter le carrément dès le départ parce qu'ils rendent compte que son phénomène là elle commence on pas pouvoir contrôler. Et il y a un bar que Nixon se dit que me trouvais qui intéressant, l'OAP lit document sous sa cap passé au Burkina Faso où rend nous compte que l'État a fait des efforts pour que le régule les situations. Mon conseil de secteur, secteur privé, où la Chine a bombardé les pays de motocyclettes. Oui, c'est vrai. On a bombardé les pays de motocyclettes. Mais nous-mêmes, nous avons un problème dans la société haïtienne, et ça me devait faire ressortir dans l'auditorial là, c'est que nous avons un problème dans l'État qui n'a pas de tempérament. Pour qui ça? Parce que l'État, il vient censé, il est tellement qu'il y a un trou dans la manche. L'un est arrivé sous pouvoir, premièrement, c'est des intérêts financiers qui font arriver là, ils sont financiers. Donc, il n'y a pas qu'à rien que l'on ait qui a intérêt là-dedans. Donc, ça veut dire que nous avons un problème de tempérament. Au Burkina Faso. L'État est au service de la classe possédée, et ça m'a dit avec Hegel. Exactement. Et au Burkina Faso, les efforts que moi, c'est que premièrement, c'est une seule fois que je suis une femme sur une motocyclette en Haïti. Par contre, c'est un monde qui est en dame et sous route aéroport. Je suis tellement saisi. Port-au-Prince. Oui, Port-au-Prince. Je suis tellement saisi. Alors que l'orive Burkina Faso, c'est quasiment femme seulement qu'on voit sur motocyclette. Tellement, mesdames. Et puis, lorsqu'on rentre dans l'église, on voit toute moto parquée, bien structurée. Ça veut dire qu'on sent la notion de contrôle. Est-ce que selon moi, on pensait que c'est le fait que FIA est plus munitive, est plus méticuleuse, et ça fait tout. Il y a besoin aussi FIA qui conduit moto, qui a moins accident. Communauté, son sentiment de sécurité. FIA lui-même, il prend le rendre de circulation. C'est à partir du moment que le rendre compte que il y a assez de sécurité pour lui. Parce que la notion de sécurité est très importante pour un FIA à tous les niveaux. C'est vrai. Donc, ça, l'État a fait à l'autre bord, c'est que yo présence l'État, parce que c'est ça que nous avons dit hier. L'État présent aux côtés, automatiquement, il y a un sentiment de sécurité que le mettre cas individuel. L'État présent. Donc, lors où réguler le système, non, ça baille individuel, baille citoyen, hein, sentiment de sécurité, ça, que l'État est en contrôle, donc il a laissé l'aller. Alors, c'est le problème ça que nous avons ici. Les dérapés, non, c'est de pays comme au Bénin, les dérapés, non, c'est de l'autre côté. Mais il y a l'autre zone en Afrique, côté où il y a une volonté pour que rattraper. Et Haïti, je dis, dans le point que nous arrivons là, nous arrivons à un point que nous parlons ailleurs, par exemple. Je ne parle jamais ça au Burkina Faso pour me mettre Simone sur motocyclette. Monsieur, moi-même, et ça qui fait me toucher par phénomène, c'est parce que pendant que je suis là, moi, et puis me croiser en moto, non, angle, et puis là, me garder, me faire coup de volant pour m'épanier moto, à moto, il y a 4 Simone sur lui, monsieur. C'est incroyable. Ça veut dire l'État, par son irresponsabilité, rend les pères de famille irresponsables. Parce qu'un père de famille qui mettait 4 Simone sur une motocyclette, c'est déjà une acte d'irresponsabilité. C'est vrai, c'est vrai. Alors, une anecdote comme ça, nous, par rapport à un motocycliste, par question de formation, on a parlé. Et moi, dans la machine, je descends sur Delma et je suis rentré en Delma 65. Moi, je passe le signal, la signalisation à droite. Donc, et moi-même, je fais une signalisation à droite, c'est-à-dire que rétroviseur, je garde le rétroviseur, mais au fond, c'est à droite, je descends, parce que route Delma, son route qui. Son sol à l'ailier. Donc, je rentre. Mais pendant que je rentre, c'est garde, c'est réflexe. Son réflexe. Je sentis que Goma est derrière, puis moi, j'ai épargné son motocyclette, malgré que mes signal qui. Cascadeur, oui. qui passait devant, mais puis moi qui frappé. Et puis, après moi qui frappé. Oui. Je dis, mais ou, c'est double, mon signalisation que je à droite, ma bande rien. Plongue. Il dit non. Non, mais on est là encore, nous tournons dans le même problème. Non. Il va connaître ça à gauche pour le bras. Même pas signalisation, ma bande rien. Ma courbe, le fait qu'il n'y a pas l'école là, qui vous fait l'apprendre qu'on fait des signalisations. Là, on fait, pas comprendre. Paul Lapalais.com.